Good morning, Ali. Dans le aujourd'hui, le lendemain, Amam Yonah ben Chana Pegi bet Esther Nissim ben Naudah et aussi l'Irfat Ruth bet Claudine Traina et Efrat Mayan bet La bet Orchar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maserhet Devot par Exaïn Mishnah Alef. Heid Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok al Pidyon Peter Chamor Shemet She'en Bo La Kohen Klum Shabbi Eliezer Omer Chayav Ba'achar Yutan Kechamesh Leim Shel Ben. והחכמים אומרים, אין חייבין באחריותן, אלא כפדיון של מעשר שני. Une Mishnah qui nous rapporte dans Masechet, qui est retrouvée dans Masechet Bechorot, dans Seder Kodshim. On parle là-bas de la mitzvah des Bechorot, des aînés. Quand Hachem il a sauvé, il a épargné les Bnei Israël, premiers-nés de la mort lors de la Makat Bechorot, la dixième plaie d'Égypte, alors, suite à ça, Hachem nous a demandé de sanctifier tout ce qui va être les Bechorot, les aînés. Ça peut être l'aîné mâle, la mitzvah du Pidyon Aben, qu'on fait, qu'on rapporte un Kohen et qu'on va lui donner une valeur de 5 pièces d'argent d'époque. C'est Pidyon Aben. Il y a, à part ça, on va passer d'abord à l'autre extrême, ce qu'on appelle les Bechor, Behema, Teora. C'est un korban qu'on doit apporter, on doit l'apporter au Beth Amikdash, le donner au Kohen, et le Kohen l'apporte au Beth Amikdash, et le manger lui-même, c'est un don à faire au Kohen. Vous voyez, tous les Bechorot, c'est donné au Kohen. Les 5 slimes, on les donne au Kohen, et le Bechor aussi, on le donne au Kohen, et le Kohen, maintenant, on avait déjà évoqué l'histoire, ce qui est possible de laisser vieillir, et ensuite il va avoir un moum, un membre qui va se détériorer, et puis ensuite il pourra même l'égorger, le manger, il y a des lois spéciales. Dans notre mission, on va parler d'un cas très spécial. La Torah, elle a donné, à part les behemoth teorot, les bêtes, les animaux purs, les bovins, ovins, que ce soit une vache, un mouton, une chèvre, l'aîné, on doit le sanctifier, il y a les hommes, mais il y a aussi l'âne. Même si l'âne, c'est pas cachère, on peut pas le manger, la Torah l'a dit malgré tout, le bechor peter chamor, il aura une certaine gdusha. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette gdusha? On pourra pas le manger. On ne pourra pas non plus en faire un corban, bien sûr. Mais quoi, la Torah elle a demandé qu'on fasse Tifdé BC, que tu le fasses un transfert de la Gdusha du Hamor sur un C, sur un petit mouton. Et le mouton, on le donnera ensuite au Kohen, c'est devenu un don au Kohen. D'accord? Tant que, Alaha, autre Alaha maintenant, histoire de, ensuite comme ça, quand ça va nous aider quand on va entrer dans la Mishnah, comprendre exactement que dit Rabbi Eliezer et que disent Chachamim. Une autre Alaha maintenant, rapporté, je l'ai lu récemment là dans Rambam, que le Chamor, le Peter Chamor, tant qu'on ne lui a pas fait le Pidyon, alors on n'a pas le droit d'en tirer un profit. On n'a pas le droit d'en profiter. Il faut nécessairement le transférer la Gdusha qu'il a sur lui. Une autre halakha aussi, celui qui ne veut pas faire le Pidyon, il ne veut pas racheter, faire passer la sainteté du Peter Chamor sur le veau, alors la Torah le dit, il faut lui faire ce qu'on, a fait ce qu'on appelle la harifat arosh. On prend une hache et on lui plante sur la nuque et on le tue comme ça. D'accord? Et ce sera interdit d'en tirer un profit de nouveau. Dans notre Mishnah maintenant, on va le faire directement dans les mots. Regardez. Heid Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok. Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok ont témoigné. Masechet Eduyot, donc c'est le témoignage de Tanaïm. De quoi? Sur quoi ils ont témoigné? Alpidion Peter Chamor Shemet. Chez Enbol à Kohen Klum, qu'on parlait qu'il y avait un mouton sur lequel on a transféré la Gdusha. Et on appelle dans de partir le donner au Kohen que ce petit mouton est mort. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'on devra faire? Est-ce qu'on dit, tant pis, il a perdu son argent, le Kohen. S'il y avait un vrai Bechor, on va prendre un Bechor Behema d'abord. Si c'était un vrai Bechor, c'est un korban que je dois donner au Kohen, et au Kohen il se débrouillera pour l'emmener au Beth Amikdash ou le manger. Si toutefois ce Bechor meurt, je ne devrais pas moi aller payer maintenant le frais d'un mouton au Kohen. Parce que tant qu'il est là, je te le donne, s'il a disparu, je ne te le donne plus. La question de notre Mishnah maintenant est de savoir, lorsque ce n'est pas un korban, lui-même, un Bechor, Behema, Teora, mais c'est plutôt le Pidyon, Peter, Chamor. Est-ce qu'on va considérer que la Torah, l'idéal est très simple, la Torah m'a dit transfère la Gdusha de l'âne sur le mouton et dès lors, l'âne il te devient permis à la consommation, le mouton il appartient au Kohen
même si tu ne l'as pas encore donné, tu devras trouver un Cohen et le lui transmettre. Et si ce mouton meurt, c'est fini, tu n'auras plus rien. Ouais, ça lui appartenait, tu as main dehors de le donner, il n'est plus là, tu ne donnes plus rien. Alors ça, c'est justement l'avis des deux, de Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok, qui témoignent qu'effectivement, il ne lui doit plus rien. Il a transféré la Kdusha, et c'est tout, c'est fini. Le Hamor a été libéré de l'interdit qui régnait sur lui, qu'il avait sur lui, et maintenant, c'était transféré sur ce veau, sur ce mouton, mais ce mouton, il est mort, tant pis. Tandis que, chez Rabbi Eliezer, Omer, Chayavin Bachar Yotan, Kechamesh Shel Slaim, Kechamesh Slaim Shel Ben. Car Rabbi Eliezer, lui, nous disait que non, si le mouton meurt, eh ben, j'ai un devoir de rapporter de nouveau un nouveau mouton pour retransformer de nouveau retransférer la Kdusha sur ce nouveau mouton. Selon, on finit d'abord la Mishnah pour qu'on explique un peu mieux, Chachamim Omrim, tandis que Chachamim nous disent non, En Chayavin Bachar Yotan, Ela Kepidion Shel Maaser Sheni. Chachamim nous disent non, que non, tu n'es pas responsable des pertes. De garantir ce mouton au même titre que dans le pidyon maaser sheni. Si j'avais des fruits de maaser sheni, ouais, le deuxième prélèvement qu'on fait sur la récolte, il y a une kdusha que je dois prendre ces fruits et les amener au chalet et les manger. Lorsque je transfère ces fruits, je transfère la kdusha des fruits, et ben dès lors, les fruits deviennent permis à la consommation complètement, t'en fais ce que tu veux maintenant, et puis l'argent, tu dois l'amener au Jérusalem. Si cet argent disparaît, est-ce qu'on va dire que non, alors dans ce cas-là, il faudrait que tu rapportes un autre argent et que tu refasses un deuxième transfert? Chachamim me disent, pas du tout. Et ben au même titre, de nouveau, lorsque tu as transféré la kdusha du Hamor sur le mouton, si le mouton finalement meurt, et ben tu n'auras pas besoin de ramener un autre mouton. Tandis que Rabbi Eliezer, il nous dit, eh ben il faudra le ramener. Selon Rabbi Eliezer, hein, alors c'est ce que j'ai un petit peu cherché en fait, c'est pour ça que j'ai ouvert le Rambam, mais j'ai pas réussi à trouver clairement. J'ai l'impression que Rabbi Eliezer lui considère que certes, il y a ton mouton que tu n'as pas le droit d'utiliser. Tu as transféré la kdusha sur le mouton. Excuse-moi, tu avais ton âne que tu n'as pas le droit d'utiliser. Pour le moment, il est béchor, il interdit d'en tirer profit. Jusqu'à ce que tu transfères cette kdusha sur le mouton. Rabbi considère que ça, dès que tu as transformé, c'est fini complètement, tu as mis un terme à la kdusha de l'âne, et maintenant la kdusha, elle se fixe sur le mouton, et ce mouton disparaît, c'est fini. Tandis que Rabbi Eliezer, il considère que non, tant que tu ne l'as pas donné au Kohen, alors il est encore hésitant. Est-ce qu'il va être donné finalement, ou est-ce que non? Et dans ce cas-là, la kdusha va revenir sur l'âne, il faudra que tu apportes un deuxième mouton pour de nouveau retransformer la kdusha. Il y a même, j'ai vu une halakha originale, cette même discussion, elle se retrouve dans le cas inverse en fait. Si... C'est plutôt, une fois que j'ai prélevé le mouton, j'ai transféré la kdusha sur le mouton, c'est plutôt l'âne qui va mourir. Selon Chachami, ils vont dire, mais alors, la kdusha, tu l'as transféré sur le mouton, maintenant tu as un devoir de donner ce mouton au Kohanim. Et bien Rabbi Eliezer, cette fois-ci, va nous dire, bah non, tu as transféré la kdusha, mais la kdusha, elle peut encore être, puisque la kdusha, t'as pas fini de transférer et donner. C'est-à-dire, ça n'existe pas de juste transférer, puis ensuite tu te déconnectes complètement. Tu transfères et tu donnes. Tant que tu n'as pas donné, le transfert, il est encore conditionné. Est-ce que ça va être concrétisé ou non? De ce fait, si ça s'effondre, eh ben, la kdusha va revenir sur l'âne, ou bien, si c'est l'âne qui va mourir, la kdusha va tout simplement disparaître, et donc le mouton va redevenir fermé. D'accord? C'était clair le principe? Le Bar Tanoura va nous rapporter des mekorot, des sources, à partir du... pour les deux avis, que selon Chachamim... Non, plutôt, selon Rabbi Eliezer, c'est marqué comme ça dans le pasouk. Ou Peter Hamor Tivde Vese, et mon Tivde Azor, Vechol Bechor Banecha Tivde. La Torah, elle a juxtaposé le Peter Hamor Tivde Vese. Le Peter Hamor, c'est l'âne qui a ouvert la matrice. Donc l'aîné, tu devras le racheter avec un mouton. Et dans le même pasouk, juste après, le pasouk est fini, Vechol Bechor Banecha Tivde. Et tous tes aînés, tu devras les racheter. Donc au même titre que. Il y a un ekesh, il y a une juxtaposition. De ce fait, Rabbi Eliezer va nous dire, si toutefois j'avais prévu 5 pièces à donner pour mon fils aîné, et jusqu'à que j'appelle le Kohen, ben j'ai perdu ces pièces. Et bien là, il n'y a aucun doute que je devrais rapporter de nouvelles pièces pour refaire de nouveau ce fameux transfert. Et bien, au même titre, Rabbi Eliezer pense qu'on fait la même chose avec le C. Tandis que Chachamim, ils vont nous dire, ils ont un autre passage qui va être « Arpado tivde et bechor adam vet bechor abéma, tmea tivde, libdia ikashi velodavacher » Bref, concrètement, Chachamim nous disent que on n'est pas censé juger Bartano, on avait dit. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et je vous souhaite aussi des très bonnes filotes de Rosh Hashanah, que vous réussissez tous à prier, à verser votre cœur devant Hachem pour Bezrat Hachem mériter une année pleine de brachot, en Rouhaniyut, en Gashmiyut, beaucoup de nachat, de satisfaction de tous vos enfants, Bezrat Hachem,
Bracha et Hatzlacha à tous. Ktiva v'chatima tova à kol tout. Salam.